France 3, avec les magasins Gamme Vert, vous a fait partager cette soirée cinéma. France 3 avec les magasins Gamme Vert vous présente la question cinéma. Répondez à la question sur le bulletin disponible dans les magasins Gamme Vert ou sur le 3615 France 3. Notre gagnant de la semaine dernière découvrira le pays des îles et des légendes bretonnes dans le parc naturel régional d'Armorique. Bonne chance. France 3 avec Gamme Vert vous a présenté la question cinéma. Aussi indispensable sur votre table que le sel et le poivre, la mayonnaise en tube Tommy. Grâce au cinéma, vous allez savoir ce que contient un tube de mayonnaise Tommy. Jaune d'œuf frais. Huile extra pure. Vous voyez, rien d'autre que ce que vous auriez employé vous-même pour faire une excellente mayonnaise. Mayonnaise en tube Tommy. 100% naturel et pur. D'un goût exquis et toujours fraîche. Pratique et toujours prête à l'emploi. Vous aurez toujours bon appétit avec la délicieuse mayonnaise Tommy. Alors ne l'oubliez pas, à votre prochain repas, bon appétit avec Tommy. En Belgique comme ailleurs, la mayonnaise Tommy est celle que l'on préfère. Madame Latour est grande dame, très grande dame de Paris. Tout le monde a ses pieds se pâme. Mon Dieu, qu'elle est jolie. Sous son jupon, la grande dame a mille dentelles et falbala. Elle est Paris, elle est Paname, elle est monde entier à la fois. Voyant défiler nos mannequins, Madame Latour se dit, tiens, tiens. Vais-je adopter la forme sac ou bien la ligne haricot vert? Pourquoi choisir mince ou obèse lorsque l'on a la ligne trapèze? Elle a plus d'un tour dans son sac, Madame Latour, la tour Eiffel. Un sac? La tour Eiffel? Mouh, mais c'est bon ça, c'est même bon bon. Bonbon, caramel, glaçon, menthe, tour Eiffel. Bonbon, caramel, glaçon, menthe, tour Eiffel. Glaçon, menthe, tour Eiffel. Menthe transparente, digestive et rafraîchissante. En vente dans cette salle. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Bon, eh bien nous venons de voir nos réclames des années 50. Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jean Mortensen, est née en 1926 dans la capitale du cinéma, à l'hôpital général de Los Angeles, et sa maman va la déclarer sous le nom de Norma Jean Baker, qui est le nom de l'amant de passage qu'elle a en ce moment. Et la pauvre Marilyn ne va jamais connaître son papa. Elle va être placée dans un orphelinat. Mais de sa fenêtre, elle racontera plus tard qu'elle voyait les néons des studios de la RKO. C'était prémonitoire. Donc, là, oui. En 1946, elle devient cover girl, pin-up girl. Elle va même poser nue pour un calendrier qui va rester célèbre. Et puis elle va passer un bout d'essai à la 20th Century Fox, elle va y être engagée. Elle va tourner une petite scène dans une comédie musicale, mais cette scène sera entièrement coupée au montage. Bon, enfin, elle va faire pas mal d'apparitions dans pas mal de films. On va surtout se souvenir d'elle poursuivie par les Marx Brothers dans La Pêche au Trésor. Très drôle, très drôle. Et puis, elle va avoir enfin un rôle important. Elle va avoir un rôle important dans le film de John Huston, Quand la ville dort, où elle sera la maîtresse d'un avocat, disons, très, très, très heureux. Et John Huston lui dira, tu devrais insister, il faut que tu continues, tu vas devenir une grande actrice. C'est pas mal, c'est gentil. Et elle va obtenir un autre rôle très important, celui-ci par contre, dans Eve. Elle est vraiment bien dans Eve, le film de Mankiewicz, où elle est opposée à Bette Davis. Et Bette Davis lui dira, il faut que tu continues, elle va l'encourager. Donc ce qui est rare, parce que vous savez que Bette Davis n'était pas vraiment, vraiment, vraiment une tendre. Et alors donc, elle va faire la carrière qu'on connaît, Marilyn Monroe. Elle va connaître le grand, grand succès avec Niagara, de Henry Hathaway, ses temps de réflexion que nous venons de voir, de Billy Wilder, du même Billy Wilder. Elle tournera aussi certaines mêmes choses, ça sera aussi La rivière sans retour, de Otto Preminger. Et puis, elle tournera Le milliardaire de Cukor, des tas de films, et notamment, elle terminera sa carrière avec le film de John Huston, Les Désaxés. Elle tournera aussi, juste avant de mourir, un film qui restera inachevé, un film de Joe Cukor, où elle ne viendra qu'une seule journée sur le plateau, vous voyez. Quoi, c'est un petit peu triste. Mais ce que j'aime
Moi, chez Marilyn Monroe, c'est qu'elle chante très très bien. Et elle n'est pas doublée, elle, vous savez. Parce qu'il y a beaucoup d'actrices dans les films qui chantent et qui sont doublées. Et bien, pour elle, comme quoi, c'est une fameuse actrice, Marilyn Monroe, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça, voilà. Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un homme veut gagner le gros lot d'aide... Marilyn se refait une beauté et revient au sommet des chutes du Niagara après la météo et le soir 3. Aujourd'hui, le chat invente une nouvelle forme de lessive pour associer efficacité et respect. Le nouveau Le Chat Méga Perle, la première lessive sous forme de perle. Le Chat Méga Perle concentre une très grande force de lavage dans chacune de ses perles. Contrairement à l'action de la poudre, chaque perle de Le Chat Méga Perle agit progressivement jusqu'à ce que le linge soit parfaitement propre. Avec Le Chat Méga Perle, il n'y a pas l'ombre d'une tache. Et en plus, le linge de toute la famille est vraiment respecté. Nouveau Le Chat Méga Perle, il respecte tout, sauf les tâches. Ces traces tenaces, c'est aussi du calcaire. Frotter ? Non. J'ai Viacal. Et hop ! Au revoir les traces ! Viacal, le calcaire, c'est son affaire. À bientôt sur les traces du calcaire. Ouh, papa ! Bonsoir. Elle a déjà dîné. Je passe à prendre dimanche soir. T'as bien deux minutes ? Je te fais un café. Vite alors. Toujours fidèle, ce que je vois. Toujours un sucre, je crois. Ça te va bien, les cheveux mouillés. Il est bon, ton café. Mon taxi. J'y vais. Prends pas froid. Solange ? Une angoisse m'étreint. Que ferions-nous si Canderel n'existait pas ? Ben on ira au ski, voilà tout. Canderel, avec, on est mieux que sans. Benoît, t'es là ? C'est nous ! C'est le renfort ! Prêcheur ! Mais qu'est-ce que vous avez sur le nez ? C'est pour l'odeur, je dirais même mieux, c'est pour l'odeur. C'est pas la peine. T'as dit que tu faisais de la laque, t'as changé d'idée, il a changé d'idée. Non, mais j'utilise Astraline, la laque d'Astral qui ne sent pas mauvais. Qui sent pas mauvais ? C'est pas possible. Mais si. Oh. Astral a créé pour vous Astraline, une nouvelle laque qui ne sent pas mauvais. Ça a l'air pas mal du tout ce que t'es en train de te taper là, hein? Eh, ce serait pas un yacht? Oh, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est pas l'extase, hein. Bon, c'est une espèce de yaourt liti. Mais le quoi, ton yaourt? Mais laisse mon yaourt tranquille, de toute façon j'ai craché dedans. Hein? T'as craché dans ton yacht? Ah, mais c'est grave ça, oh. Hey! Non mais sans blague, ils vont pas me tirer mon yacht quand même. Regardez-moi bien dans les yeux et dites-moi que vous n'aimeriez pas être à mon volant. Je sais, une Toyota Carina est toujours séduisante. Mais pendant un mois, je vais être encore plus séduisante. Moins 11 000 francs sur la Carina 4 portes. Moins 14 000 francs sur la Carina 5 portes avec l'aide de l'État et la climatisation sur les séries spéciales Désir. Alors, je vous donne rendez-vous chez votre concessionnaire Toyota avant le 29 avril. Tais-toi. Hein? Mais c'est au cœur de Lyon, on entend que lui. Ici, ton camembert, il se sent chez lui. C'est comme ça qu'il est heureux. Non, mais ton cœur de Lyon, quand tu mords dedans, t'as son goût qui se met à chanter. D'abord doucement, puis plus fort. Alors là, tu te tais. Tu t'abandonnes. Cœur de Lyon, vous n'aviez jamais mangé de camembert. We all have a memory of a woman that pleased us that we never had the courage to approach, and we all regretted it. Don't make the same mistake with Ireland. Certains fromages ont le fondant, d'autres la force. Mais il en est un, le Saint-Agur, qui réunit force et fondant à la fois. Saint-Agur, force et fondant à la fois. Eden, 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 Eden.
Eden de Cacharelle, le parfum défendu. Mesdemoiselles, vous savez qu'il faut se brosser les dents après un repas. Oui. Et vous le faites? Eh bien, vous avez de la chance, voici Tony Gum. C'est sans sucre et c'est au calcium. Et c'est le seul chewing-gum qui offre une double protection. 1. Tony Gum combat les attaques acides dues aux aliments. 2. Le calcium aide à renforcer les mailles des dents. Alors, quand vous ne pouvez pas vous brosser les dents, mâchez Tony Gum en tablette ou en dragée. Solitude. Le jazz doux comme une caresse. Solitude, un disque pour rêver à deux. La nature fait des merveilles. Et pour continuer ce qu'elle a si bien commencé, chez Nestlé, nous recueillons pour lui ce qu'elle a de meilleur à donner. Et avec l'aide des mamans, nous laissons bébé décider. Chez Nestlé, le président, c'est bébé. Avant d'entrer chez un agent immobilier, on hésite, c'est normal. On ne sait pas toujours ce qu'il fait, à quoi il sert, pourquoi on le paie. Pourtant, il y a des agents immobiliers qui savent écouter, expliquer et qui s'engagent par écrit. Century 21, vous allez changer d'avis sur les agents immobiliers. Quand on veut faire découvrir à quelqu'un une mayonnaise qui a du goût, on lui fait goûter la mayonnaise Amora. Amora, c'est la recette authentique de la mayonnaise de Dijon. Et Dijon, pour une mayonnaise, ça veut dire plus de goût. Donc, aujourd'hui, elle a envie d'un BA cerise griotte. Elle ne se pose pas de questions. Elle plonge sa cuillère dans le BA frais et onctueux. Elle mélange avec délice les fruits et laisse la douceur du bifidus donner à son corps ce qu'il réclame. Pourquoi ai-je tellement envie de cerise griotte à 4h du matin? Une envie de BA, ça ne s'explique pas.